Salut à toutes et à tous, c'est les petits 06 et on se retrouve pour la suite de notre mode carrière sur WRC 4 PlayStation 3. Donc alors, dans le dernier épisode, on avait fait le rallye d'Argentine, que voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire ce rallye de Grèce, l'Acropolis Rallye, 4ème position, et un adversaire du rallye Thierry Neuville. Non, qu'est-ce que je fais? Non, pardon, je pense à un truc vite fait, mais j'oublie. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Alors, on m'a dit qu'il y avait peut-être un petit souci entre ce qui se passait à la caméra et... Donc, déjà, le truc, je vous explique, déjà, il y a un temps, parce qu'on a dit, ouais, il y a peut-être un décalage. En fait, c'est pas ma voix avec ça, c'est la, comment dire, le avec la caméra. Bah en fait le truc c'est que déjà de base le logiciel met du temps à commencer dès qu'on clique dessus. Donc c'est un peu chiant, et après bon bah elle est pas mal hein, c'est une bonne webcam, mais après bon c'est pas non plus l'hyper webcam quoi. Donc de temps en temps elle doit peut-être bugger un petit peu, mais bon c'est pas grave, du moment que ça va. Bon après je suis désolé pour le bug hein, merci Vegas. Je vais vraiment vérifier dorénavant, mais vraiment étape par étape, parce que je crois qu'il a bu un coup l'ami Vegas, mais bon c'est pas grave. Bon allez tant pis, on passe. Alors, on m'a dit que j'avais des fois un petit souci de mes yeux, apparemment. J'ai supprimé le commentaire parce que en plus je pouvais même pas répondre, donc peut-être que c'est un bug. Alors j'explique, parce que en fait j'avais un problème, mais en fait c'est que si vous voyez pas derrière la caméra, en fait c'est et pourtant on nettoie tous les jours, mais en fait c'est une maison très poussiéreuse, et généralement bah toute la journée je me prends poussière dans l'œil, je suis toujours en train de me frotter les yeux 400 fois par jour. J'ai même du sopalin en cas de problème. J'ai ma petite boule de sopalin que je suis comme ça. Ah mais si vous mettez toute la journée, je suis content comme ça, et en fait on peut rien y faire sans... C'est comme si c'est... Comment on pourrait expliquer ça? La maison, même s'il y a de la peinture, de tout comme ça, il y a toujours des petits morceaux de plâtre qui tombent. Ou ce qui arrive généralement, c'est quand il y a notre cheminée qui est en marche, ou encore parce que la structure de notre maison, hein, je blablate un peu vite fait, il y a du bois, et le bois ça fait un peu de poussière. Et vous savez bien que les appareils électroniques attirent la poussière. Hein, donc tous les jours on est obligé de nettoyer, pour faire la poussière, dépoussiérer tous les jours. C'est chiant. Alors, voilà. Et aussi bon, faut pas oublier que j'ai beaucoup de cheveux. Alors généralement c'est chiant quand ils tombent et qu'ils étaient là bloqués comme ça. Bon. Tant pis. Sinon bon, on va peut-être y aller un jour, parce que sinon voilà, la vidéo elle va faire 2 heures et on aura blablaté pendant 1 heure. Voilà. Et aussi si je suis un peu déçu, je suis fatigué. Je suis fatigué moi. En ce moment, on a des soucis. Mais vite fait, je j'irai pas dans les détails, mais on a des soucis avec notre chien, donc. Qui est pas très très bien, n'a pas de très très bonne santé, donc faut le surveiller la nuit, voilà, et c'est pas pratique de dormir. Voilà. Bon sinon on va y aller hein. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on va y aller. Ah oui, j'allais oublier, j'ai mis la difficulté niveau 6. Kineta, alors 5 km et c'est que de la terre. Alors le rallye de Grèce, on va le découvrir, mais en totale découverte. J'ai jamais fait le rallye de Grèce, jamais. Je crois que je suis pas sûr, mais dans les précédents WRC, parce que moi, la nouvelle génération des WRC, j'y ai quasiment jamais joué. J'ai joué à la démo du 3 et celui-là, le 1 et le 2, jamais fait. J'ai fait les anciens, la version d'avant, la version je sais plus quel studio, mais sur PS2. Le 1, 2, 3, 4 et 5, je sais plus, 4 ou 5. Et voilà, donc c'est un peu une totale découverte pour moi. Et pour vous. Enfin, après si vous n'avez pas joué au jeu ou autre. Il faut bien le reconnaître, peu de rallyes sont comparables à celui de l'Acropole. À
Avec ses passages escarpés et ses routes de montagne poussiéreuses, la Grèce se présente comme une toile de fond unique qui stimule les pilotes les plus aguerris et les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bah quand même, pour de la PS3, c'est pas mal, c'est bien fait, moi j'aime bien, les jeux de couleurs, sympa, vraiment sympa. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Droite 3, sur gauche 5, et droite 5. Alors là on est en difficulté 6 les gens, hein. Ce sera un petit peu plus difficile. Et gauche 2, gauche 3, long. Si je me concentre assez bien, on peut y arriver. Gauche 2, après caillou, sur 13, 40, droite 2, sur gauche 3. Puis gauche 2, referme 2, ouf. Et 40. Voilà, ça commence bien. J'utilise un rewind. Au lieu de vraiment en profiter, je vais freiner et puis comme ça au moins on perdra un peu de points comme si je vais taper l'obstacle sans être bloqué. Je vais essayer d'utiliser mon PCP. Pour l'instant je vais tout faire spécial. C'est très joli. Parcours est sympa. Et voilà. La difficulté 6 c'est beaucoup moins facile. Allez, on se concentre. Sur gauche 4, droite 4 et 3, sur gauche 3, sur 13 et gauche 4, long. Droite 3, arbre intérieur. 200, gauche, reste à droite. Gauche 3, sort. 40, épingle de gauche. Sur épingle de droite. 300, après barrière, reste à droite. Et droite 3, ouvre, gauche 4. Et ta sœur. Voilà quand même. Et 40, droite 2, barrière extérieure, voilà, épingle de gauche. Droite 4, ouvre 5, sur droite 3, et gauche 5, épingle de droite, à la main. 40, attention. Oh mais c'est ta sœur. Pourtant j'ai... 40, gauche 5, sur droite 2, non, pas corde. Sur épingle de gauche, et droite 5, non, et épingle de gauche, à la main. Droite 6, referme 4, et épingle droite. Mmh. 40, épingle gauche. Voilà. Épingle droite, sur épingle gauche. 16 mmh. À gauche, travail extérieur. Droite 3. Sur droite 5 et gauche 3, long. Épingle droite, bam, gauche 3. Et droite 4, sur épingle gauche. Et non ! Mais c'est n'importe quoi ! Je suis pas d'accord. 40, droite 3, referme 3. Du droite 4, long. Allez, 3 temps. Gauche. Reste à droite, gauche 4, très long. 40, épingle de droite. Et gauche 5, sur arrivée. Première spéciale en difficulté 6, c'est chaud. What? Ah bah c'est honorable, hein. Première spéciale, troisième.
Pas mal. Allez, va falloir donner meilleur de soi-même pour la deuxième spéciale parce que là, bah, il va falloir progresser. Donc c'est vrai que là, en niveau 6, première spéciale, troisième à 3 secondes, c'est pas mal. Donc deuxième spéciale, avec un peu plus d'entraînement, je pense que on va s'améliorer. Bon, Pisia, 4 400 de difficulté. Une des spéciales les plus faciles alors du championnat ou quoi? C'est vrai que il y a pas mal de lignes droites, on voit sur le petit graphique. Beaucoup de terre, hein, bien sûr. On va voir ce que ça donne, hein, cette spéciale 2. Alors, ouais, tiens, fallait que je parle d'un truc. Alors, j'annonce pas. Normalement, je ferai la coop de F1 2014 avec The Phenom 3100. Ouais, 30100. Enfin, The Phenom. Youtubeur comme moi, donc qui fait plein de jeux variés. Un petit gaming. Très sympa, on s'est ajouté sur Skype, donc apparemment, normalement, si on a le temps et tout ça, on pourra faire la coop ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis désolé les copains, je suis obligé. On ne voit que dalle. 60 chitane. 14, 14, 14, 14, 14, 14. Et oh, il y a un bug, c'est pas possible, j'ai un problème. La voiture. On ne voit rien. C'est quoi ce spécial de merde? Par contre, c'est chiant. Hein. Mais non, excuse-moi, je ne vois rien. Oh, mais sérieux. Non, non, mais non. Si, tu arrêtes tes conneries, hein. T'as qu'à arrêter de foutre des spéciales comme ça. Moi je vois que dalle. C'est impossible. Déjà que moi j'ai du mal, mais sur YouTube ça baisse un peu la luminosité. Je me demande si bon je vous y verrai encore mieux que moi j'ai l'impression. Oh putain, eh, c'est bon, là je suis désolé, je suis obligé d'utiliser tous mes trucs. Wesh! Wesh! Non mais! Eh, c'est gavant là. Je hais cette spéciale par contre. Là, je suis désolé, mais je déteste cette spéciale de loin. On voit rien. C'est n'importe quoi là par contre. Je suis désolé, mais là,
Mais là j'étais forcé par le jeu à les utiliser. Je vois que dalle. Putain mais... Allez, allez, bloc. Merde, je perds du temps. Non. Non, 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 je suis désolé. Là, je recommence la spéciale. Non, je suis désolé, hein. Non, 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 non. Oh, il me laisse bloquer. 15 ans. Non, je suis désolé. Non, rien à foutre. Je suis désolé. J'avais promis à m'abonner depuis recommencer la spéciale. Mais là, le jeu, il m'a forcé. C'est n'importe quoi. Déjà, quand il voit rien, tu restes sur ton flanc. Putain, le jeu, intervient vite. Remets-nous sur nos 4 roues et point barre. Non, mais 15 ans, il te laisse planter là, tu perds tout ton temps. Non, 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 je suis pas d'accord. Je préfère être encore un peu lent sur les spéciales et finir deuxième ou troisième que finir dernier parce que le jeu n'est pas foutu de me remettre sur mes 4 roues plus vite. Non, non, c'est vrai. Désolé. Non, je m'excuse à la donnée qui n'a pas pu faire commencer les spéciales, mais là, le jeu m'a obligé. Regardez. Je sais pas comment je fais pour être rapide alors que c'est fou, un pénible. Je sais pas si c'est une expression, un pénible. Là, je vois par exemple là, ça va, ça nous aide le soleil. Allez, dans la... Putain. Voilà, c'est bon, voilà, on va être obligé de rouler comme des papis. Il y a intérêt à ce que toutes les aides spéciales, il n'y a plus aucune dans cette humanité là. Je sais pas comment je fais pour être aussi rapide. Hein. C'est impossible, j'ai un bug. Regardez, je me fais 23 et je suis tout le temps en train de freiner, couper les virages, couper le fromage. J'étais obligé de recommencer la spéciale à cause d'un bug. Et puis je voulais pas relancer le truc. Allez, même virage que tout à l'heure. Hop là, voilà, pas de frein. Tu freines. Ta mère, ta mère. Ah, je suis désolé, je range là, mais c'est un peu. Par contre, là, c'est un poil mieux. Ah, par contre, c'est virage. Je fonctionne pas. Voilà, hein, je vais faire perdre du temps. Pour finir dans l'eau. Là, par contre, ça, pour l'instant, là, ça va à peu près, c'est mieux. Dès qu'on va repasser dans les champs d'ombre, ça va être l'horreur. Allez, dans la flotte. Ce rocher là ouais. Ouais, c'est que tu reprends un vieux réflexe, ça m'énerve. J'aimerais au moins les utiliser, mais c'est un vieux réflexe. Allez, ah voilà, j'en ai fini de cette salope de spécial de merde, putain. Oh bon, j'ai récupéré une seconde.
Voilà. Bon bah tu vois, hein, abonné qui aime pas très pas trop que je recommence le spécial, j'ai regagné une seconde. Vraiment, j'ai pas gagné grand chose. Hein. Je suis toujours deuxième. Donc bon, c'est pas trop grave. Bah après c'est vrai que tant que si je recommence la spéciale à cause d'un gros problème mais que je finis pas premier, c'est vrai que c'est pas trop chiant. C'est vrai qu'après si je finis premier, c'est vrai que ça change le résultat. C'est vrai. Mais là, ça a pas changé grand chose, hein. Je suis toujours deuxième. Enfin, je suis passé deuxième, mais bon, j'ai gagné une seconde. Ah pitié, plus de spécial comme ça quoi. Ziria. Service Park. Ah non mais sérieux, j'étais obligé de me mettre en vue capot, mais comme ça. Comme les hiboux. Ça va puiser mais. Quoi? Et j'ai... Là il y a quand même un bug. Je n'ai fait que des dégâts à la carrosserie. Je tapais partout. Ah, ok, enfin, pour éviter de faire du bruit, un bruit déplaisant, faut arriver à le tasser. Bon, 30 difficultés sur 5, 5 km et que de la terre. Pendant que ça charge, hein, que ça met toujours 3 plombes. Santé. Bon. Ouais, c'est vrai qu'avec le temps de chargement, on a le temps de prendre le thé, de manger un petit biscuit, d'aller faire popo, pipi. Hein? Ça... je sais pas. Je sais pas, ça m'a l'air d'être à peu près bien. Je sais pas, on va voir. Attendez, tester. 1, 4, 3, 2, 1. On y va. Ça m'a l'air d'être pas mal pour l'instant, on peut jouer comme ça. 40, 3, 4, long et 3 sur gauche. Et tout. 2-3, arbre intérieur. 3-3, sur 2-3, arbre extérieur. 40, épingle de droite, comme. Sur gauche 3, et droite 2, reste à droite. 40, épingle de gauche. 60, droite 3, 50, sur gauche 3. Et bien sûr, ça commence. Ça commence les problèmes. 60, épingle de droite, pas la main. Eh c'est bon, ça va me saouler. Arrête de te bloquer, pute. Arrête de te bloquer, pute. Sérieux, tu gaves là. Voilà. De l'autre côté. Épingle gauche. 40, épingle droite. Wow. 10 droite. Oh, attention. 2, 3, long, referme. Sur épingle de droite, après A, travail extérieur. Gauche 3, long. Droite 5. 40, épingle de gauche, dans la main. Je me rappelle pour certains, en aide, j'ai que... J'ai que la BS. Droite 5, sur gauche 5. Tout le reste, je l'ai pas. Épingle de droite. C'est ça que c'est, j'ai perdu. Mon problème. Droite 4. Et 40, gauche 5. Voilà. 200, gauche 2. Après 1, corps.
D'accord. Non, mais je vais ça me sauver. Allez. Ça va, ta soeur. Oh là là, ça n'a pas grandi. Couper un peu dans le fromage. Je vais vous montrer exprès. C'est bien. Déjà que c'est en mode nuit, c'est conduisible comme à l'intérieur, mais c'est un peu énervant. Désolé, il n'y a pas mieux qu'un coup de capot. Allez, mais c'est bon. Pas avec la voiture, quoi, c'est vrai. Spécial de merde. Ah là là. Bah ça va. Encore heureux que je perds que 6e. Encore heureux. Ouais, encore heureux. Ah, putain. Gimno, quelques mètres 400 de difficulté, que de la terre. Bon, en fait, ce que je vais faire, voilà. On va alterner entre vue capot, vue intérieur, comme ça tout le monde sera content et puis voilà, on se prendra moins la tête. Voilà. De toute façon, que ce soit en vue capot ou en vue intérieur, c'est la même difficulté. C'est niveau 6, donc là il faut progresser. Au moins ça va nous faire nous apprendre à encore mieux jouer. Allô? Merci. Ah mais. C'est moi ou elle était défoncée, c'est un rewind, elle était préparée. Et 40, gauche 2, corps. 3, 3, et 3, et 3, sur gauche 2.
travail intérieur. Hugo 3. 80, 3-5. Referme 4. Sort. 3-4. Sur gauche 4. 3-4. Et 3. Sur gauche 3. Sur 13. Et gauche 4. Long. 3-3. Arbre intérieur. 200. Gauche. Reste à droite. Épingle gauche, sur épingle droite. 150, sur 7, un peu l'arrière, 3-4, sur 3-3. 60, sur 3, sort, sur 3-3. 3-2, pas corde. Ah, c'est bon, tout de suite, on peut pas réussir dans le 40, 3-2. J'aime bien la vie intérieure, mais... C'est trop chaud. Faut pas non plus que ce soit à gamme. Même si j'adore hein, la vue d'intérieur, je la remontrai comme tout à l'heure. 60, 5, 50, 40, en fait la vue capot c'est plus pratique dans le sens où c'est un peu plus confortable. Voilà. Non non ça, ça m'énerve les bagnoles qui passent comme ça en deux secondes. Je suis désolé, pas trop réaliste. Alors là on part pas comme ça direct en tremplin. C'est un rocher, quand tu tapes un rocher, tu tapes dedans. Et quand même, j'ai mis j'en ai utilisé que 3. Voilà, c'est tout. La différence vu capot vu intérieur. Ah oui, quand même là, j'ai mis une sacrée polée là. Je crois qu'on va pouvoir repasser en vue intérieure. On a 2 secondes d'avance. Prochaine spéciale, on va pouvoir repasser en caméra intérieure. Non, mais c'est juste que ça m'énerve quoi. Je tape un rocher. Direct. C'est bientôt, c'est comme dans les dessins animés. C'est genre, tu touches à peine le truc, on te regarde et puis tu fais, hop, boum. Voilà, c'est ça, c'est la voiture, elle fait pan dans le rocher, puis... Oh, merde, attends, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Gagné. Kefalari. Donc, on fait que la carrosserie, c'est moi ou il y a un bug? Bon, en tout cas, on est parti pour la troisième journée. Alors j'espère vraiment, vraiment, je suis désolé pour la... Attends, Kefalari, 5 km, 3 difficultés sur 5 et que de la terre. Alors, je suis vraiment désolé, je m'excuse pour avoir recommencé la spéciale tout à l'heure, mais comme je vous l'ai dit, je voulais le montrer jusqu'au bout, c'est un bug, quoi. Tu restes comme ça. Pendant 3 ans. C'est chiant. Tu sais pas, genre à peine fait spoon, hop, direct on te fait réapparaître sur le sur la piste et hop tu repars. Voilà, encore ça, bon tu perds une seconde, ouais, mais là carrément tu peux finir dernier avec un truc comme ça. Et c'est pas vraiment très intéressant, je crois. Mais je leur ferai plus, enfin je leur ferai plus tant que ça n'arrivera pas un problème comme ça. C'est vraiment si par exemple j'utilise tous mes rewinds et que j'ai un problème, bon bah tant pis, je finis la spéciale. Voilà, ça ouais. Mais si bon par contre ça m'arrive encore de rester bloqué et que le jeu réagit pas, je suis désolé mais t'es obligé. Hein. Par exemple, McFury, il a fait des sp sur ce jeu. Et il en a recommencé un paquet de spéciales.
parce que même problème, ma voiture qu'elle se retourne ou des bugs avec les copilotes et tout ça. Bon, moi je sais pas, j'ai pas trouvé trop de gros problèmes avec les copilotes donc. Mais. Go. 3-4, et passe le gauche. 40, 3-4, long, et 3, sur gauche. 300, et tout. Gauche 3, arbre intérieur. Puis droite 3, sur gauche 3, arbre extérieur. 40, et allez, ça commence. Oh là là. T'as l'impression que ta voiture c'est un ballon en plastique. Dès que tu tapes un mur, boum. 60, 3-3, caillou intérieur. Et gauche 2, frein extérieur. Pas de les ballons en plastique là, pour les plages ou pour les enfants. Et pas de gauche. Frein. Droite 2, tour sur droite 4. 60, gauche 3. Et droite 2, sort. 40, gauche 2, sur droite 3. 40, droite 2, sur gauche 2. Et saut, après 1, reste à droite. Droite 2, sur épingle de gauche. Puis droite 3, et gauche 2, pas tort. Droite 4, après 1. Non, ta sœur. Désolé, mais non. Sur crête, le cristal de droite. Et gauche 5, on est bon. Ouais. Pourquoi pas? Alors là, c'est ça qui est marrant. C'est que des fois, tu coupes un peu dans le fromage, il tonique. Là, j'ai... T'avais le... On va dire que... Alors, on va dire que... Je sais pas, j'arrive comme ça. Et là, t'as le virage qui fait comme ça. Moi j'ai fait, en essayant de freiner, je suis arrivé, hop, je faisais carrément. Là le jeu, non, ceci est une action réglementaire, pas de problème. Ok, je dis pas non mec, hein. Pas de problème. Mais
Ça plane pour moi, 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 moi. C'est pas grave. Après, de toute façon, faut pas trop se prendre la tête, faut faire les plutôt comme voilà, sans se prendre la tête, plutôt sans se prendre trop de chaud. L'eau traquille, 5 km, 4 difficultés sur 5, et que de la terre. Donc voilà, quoi. Faut s'amuser le plus possible quand même, faut bon. Et pas là non plus pour faire la méga vidéo hyper réaliste du monde. C'est sûr que pour faire un peu un risque, faudrait le volant, le machin. Donc, déjà que je suis avec ça, alors bon. Le réalisme là déjà il en prend un coup. Hein. Il prend un sacré coup dans l'aile. Hein. Là, là c'est carrément deux coups de fusil là. Trois. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Non je rigole, mais de toute façon faut s'amuser le plus possible. C'est vrai qu'en ajoutant un peu de difficulté, c'est vrai que ça me donne du piment. Mais ça occasionne légèrement de l'énervement à la personne qui joue. Donc voilà. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Go. Ça commence. Putain, j'étais sur une bonne lancée, ça rentre sans rewind. Gauche 2 et épingle droite. C'est dommage. Gauche 2 et gauche 2. Bah allez, on a qu'un utilisé quand même. Allez, on se concentre. Oh bon, bah 2, mais là vraiment c'est ma connerie, excusez-moi, je vais écouter mon copilote. Arrière extérieur. C'est ça mon problème, c'est que moi je suis trop concentré sur le parcours. Je ne peux même plus de faire le pilote. 3-4, ouvre 5, sur 3-3, gauche 5, épingle droite. 40, gauche 5, sur 3-2, non, pas tort. Épingle gauche et 3-5, long, puis épingle gauche, main à main. 3-6, referme 4, et épingle droite. 40, épingle gauche, main à main. Épingle droite, sur épingle gauche.
referme 3. Du droit 4, long. 300. Saute. Reste à droite. Gauche 4, très long. 40, épingle de droite. Et gauche 5, sur arrivée. Yeah, mais voilà! Si on se concentre bien, voilà! Bon, un truc utilisé, mais bon, ça c'est parce que, bon, un vieux réflexe, je tombais dans le ravin, donc bon. Enfin, dans le ravin, je tombais de l'autre côté. Mais après, le deuxième rewind que j'ai utilisé, c'est parce que, bon, bah, j'ai pas écouté mon coéquipier, je suis parti à gauche, je vais partir à droite. Et sinon, après, j'ai pu utiliser. Je me suis bien concentré et j'ai fini par y arriver. Donc, Et vraiment, vraiment, cette victoire-là, elle a été quand même un peu chaude à aller chercher. Un peu difficulté 6, c'est pas mal, hein. Faut être bien concentré, hein. À difficulté 5, on pouvait bientôt s'y flotter. On faisait quand même des conneries, mais on pouvait bientôt s'y flotter. Là, difficulté 6, je ne s'y flotte plus, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà le podium de ce rallye. Bien, bon, sympa le rallye de Grèce, un peu chaud quand même, hein. Les pistes pas plus larges que mon bureau. Ouais, pas plus large que mon bureau, j'exagère, hein, quand même, une voiture de rallye c'est assez gros, mais voilà quoi. Voilà, hein. L'image est un peu trompeuse, hein. Les routes n'étaient pas toutes comme ça, hein. Non, on a eu le droit à des routes un peu. Voilà. C'est pas bon de rencontrer un animal. Ce qui serait bien dans WRC5, c'est de pouvoir croiser des trucs comme ils ont fait dans Grid 2, des trucs qui courent au sol, ou des spectateurs comme dans Dirt 3 qui font... Ce serait marrant. Bon, sinon, le dire des bêtises. Bon, bah voilà, donc prochain épisode, mardi donc, demain, mercredi donc, avec la vidéo spéciale pour le vainqueur du concours. Vous aurez donc le rallye d'Italie, qu'on a déjà fait maintes et maintes fois. Le rallye d'Italia Sardaigne. Bon, ok, ça va être sympa. Ça va être sympa, on est bientôt dans la dernière ligne droite, hein. Faut s'accrocher, vraiment, vraiment proche de la fin. Bon, sinon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire et le petit pouce bleu qui font très plaisir, monsieur sur Twitter, bien évidemment, Twitch si vous avez envie, pour l'instant il est inactif mais il reprendra bientôt, enfin, quand j'aurai la fibre. Voilà, donc bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça je l'ai déjà dit, donc passez une bonne journée, voilà, ça je l'ai pas dit. Passez une bonne journée, et puis bah à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.